à tous, ici Sœur Manès pour le bilan de la première journée du MTT, du Mad Team Tournament. Donc, on avait dans le groupe D l'équipe AK qui a rencontré l'équipe FAN et l'équipe KO qui a rencontré l'équipe ADE. Donc l'équipe AK et l'équipe FAN ont fait match nul, simplement. Et l'équipe KO a remporté son match face à l'équipe ADE par forfait. Alors, en fait, il y a eu deux matchs de jouer et puis le troisième a pas pu être joué. Ils ont essayé, ils sont acharnés, mais il se trouve que du côté de chez D-Man, il y a une tempête de neige qui l'empêche de jouer depuis un certain temps. A priori, donc voilà, on a donné le point à l'équipe KO. Ensuite, du côté du groupe C, nous avions LSD qui rencontrait l'équipe Bell et l'équipe PAL qui rencontrait l'équipe KVK. Donc là, les LSD ont plié littéralement l'équipe belge, 3 victoires à 0. Et voilà, tout est dit, hein, même pas un temps je viens d'encaisser. Donc les Belges, il va falloir vous secouer là. Il reste deux matchs. Hein. Ensuite, nous avions donc l'équipe PAL qui a remporté son match face à l'équipe KVK. Et ils l'ont remporté à un touchdown d'avance. Donc félicitations les gars. Enfin, nous avons dans le groupe B la MAD qui a remporté son match contre l'équipe SMK. Et les LR qui ont remporté leur match face au TSS. Dans le groupe A, nous avons l'équipe Phare qui a gagné son match également. Et l'équipe GAF qui remporte sa rencontre face à l'équipe Somme. Donc voilà, la Phare jouait contre l'équipe VDL. Donc cette journée de match s'est plutôt bien déroulée. Donc à part ce petit forfait de D-Man, mais bon, qui est aussi pas de son fait. Hein. Il a essayé, mais ça ne passait pas. Donc voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. Nous avons désormais dans le groupe D en tête les KO et ensuite suivi de AK et FAN qui sont donc avec un point juste derrière en embuscade. Dans le groupe C, nous avons LSD et PAL qui se sont détachés complètement du groupe. Donc rien n'est fait, mais c'est bien parti pour ces deux équipes-là. Dans le groupe B, nous avons également la MAD et LR qui se sont eux aussi détachés. Donc même chose. Hein. Et dans le groupe A, c'est la GAF et Phare qui ont pris la tête avec 3 points et une victoire chacun. Donc voilà, alors il restera deux confrontations contre deux équipes par équipe, simplement pour finir les rencontres en championnat de groupe en fait. Et les deux premières équipes, hein, pour rappel, seront qualifiées dans les playoffs. Donc vous savez déjà par exemple que le premier du groupe A rencontrera le deuxième du groupe D. Voilà, vous pouvez déjà faire vos calculs, vos paris si vous voulez, sans problème. Et pour les participants, vous avez, comme pour la première journée, hein, simplement votre calendrier avec vos adversaires affichés. Vous avez également ça pour la troisième journée, si jamais vous voulez vous y prendre en avance pour réserver vos matchs, vous pouvez le faire. Et voilà, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour ce deuxième round. Continuez de bien caler vos matchs en décalé par rapport aux autres, comme ça on a aucun problème d'administration. C'est super. Et puis...